les gens aient voulu l'embêter, mais c'est pas très grave. Hein. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon a une expérience, ça n'a pas de signification réelle, si ce n'est révélateur, peut-être, de ce climat dont on a parlé. C'est-à-dire que Mélenchon est un peu l'homme à abattre, et c'est assez inquiétant. Alors, sitôt qu'il dit une phrase, on a droit pendant 48 heures, en boucle, ses propos déformés, tous les gens, les belles personnes viennent dire « c'est scandaleux », on ne sait même plus ce qu'a dit à la fin Jean-Luc Mélenchon, mais il paraît que c'est scandaleux ce qu'il aurait dit. Donc on veut diaboliser le personnage. Il y a un influenceur, une espèce de mélange entre Alain Soral et Jean-Marie Bigard, qui sur YouTube fait un truc en disant bah, « il faut s'armer, le problème de Mélenchon et ses potes, c'est qu'il désarme les Français, allez tous à un stand de tir pour 180 euros, avoir un flingue, c'est ça qu'ils font dans la période ». Il en trouve ça marrant et il met en scène le fait qu'on tire sur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.